Lundi 19, 19 août, on est reparti sur le chantier où on était vendredi, où on avait commencé les petits abattages, les petits abattages et petites tailles à Grassac. Voilà, donc on poursuit le chantier, on a quelques jours dessus, donc on est reparti là-dessus. Voilà, les enfants ne seront pas avec nous. Ils vont au centre aéré. Voilà, donc on va poursuivre là-dessus. Bon, il y aura petite tiro, je pense, parce qu'on a encore quelques trucs dessous, du bois mort et puis un peu de sélection quoi, sur les branches. Donc on verra. Il y aura ça enlevé.
Fais gaffe parce qu'il y a le truc de l'assainissement là. Hein? Il y en a un ou deux. On va faire celle-là en tiro là. Pas trop fort, elle est un peu faible cette branche, hein, c'est pour ça qu'on l'enlève. Parce qu'il y a des champignons là. Bah, je veux pas les choper. C'est bon? Magnifique.
T'es un peu intéressé là. Ouais. Et Lucci, il a peur que le ciel lui tombe sur la tête. Il est planqué. Ah mon chien.
Ah, tu vois. Le nœud du petit sac, ça fait peut-être bien une dizaine d'années que je fais le même, et je l'ai vu la première fois avec un certain monsieur Didier Rive. Alors ceux qui verront la vidéo qui le connaissent, et ben un homme super sympa, voilà, et qui me l'a montré. Donc je fais toujours le même, hein. Donc ça en fait c'est un cabestan. Dame, si jamais tu vois la vidéo et que c'est pas ça, tu corrigeras. Un cabestan gancé. C'est-à-dire qu'on fait comme un câble. Sauf que. Hop. On le serre. Et en fait, quand on tire dessus, la ganse permet de le défaire. Voilà. Donc, je remonte. On passe comme un cabestan de ce côté-là. On récupère là. On passe encore à l'intérieur de la boucle. Ensuite on tient pour voir les deux boucles là, on passe de l'autre côté, on passe la ganse, donc la boucle, dans la fin normalement du cabestan, on serre, voilà. Alors l'idéal c'est de garder un peu plus de longueur là, parce qu'après pour l'enlever, quand on n'a pas de longueur, c'est un peu galère, et ça tient depuis des années.